C'est la chronique d'Éric Chalmel. Éric, on vous écoute. Oui, Cécile, ben, c'est pas pour critiquer, mais ce soir, question parité, on aurait pu mieux faire. Franchement, trois femmes et un chauve, on croirait un film X des années 70. Je suis donc obligé ce soir de prendre la défense de M. Boucher, en tant que minorité visible. Vous me direz, M. Boucher n'est pas un sans-papier, il est ni noir, ni beurre, ni rhum, ni, à ma connaissance, un jeune marié homosexuel. Non, M. Boucher est chauve, extrêmement chauve. Et alors, ça défrise quelqu'un? Au moins, avec lui, on ne risque pas le crépage de chignon. C'est l'avantage d'avoir le crâne rasé. Attention, je ne dis pas ça pour qu'il soit tendu à la libération. D'ailleurs, personne ici ne me fera dire ce que je ne dirai pas, même sous la torture. Que M. Boucher serait un crâne rasé, un skinhead adhérent d'un parti soi-disant réputé pour ne pas trop aimer les chevelus et les crépus, et oh, pourquoi pas d'extrême calvitie tant que vous y êtes. Non, non et non. M. Boucher est chauve, on ne va pas lui chercher des poux pour ça. Alors mesdames, les petites blagues du genre Marine, Le Pen, on s'en passera. Nous sommes en démocratie et rien n'interdit à un chauve, même aussi radical, d'avoir des idées. Car on peut être chauve dessus, rien ne prouve qu'on le soit aussi dedans. Son crâne est peut-être aussi lisse que son projet pour la culture, mais je vous le demande en conscience, est-ce une raison pour lui passer un shampoing? Monsieur Boucher est chauve et c'est son droit, c'est même son extrême droit. À propos de shampoing, Madame Garnier, qu'est-ce que c'est que cette hallucination de cône géant plantée sur la Tour Bretagne? Vous êtes pour la légalisation du cannabis maintenant à l'UMP? Je vais vous balancer à hortefeux, moi. Non, sérieux, c'était quoi? C'était de l'Afghan, la colombienne? Parce que j'imagine le brainstorming, il ne doit plus rester beaucoup de moquettes dans votre permanence. Si tout votre programme est aussi fumeux, c'est pas la page qu'on va tourner, c'est le pétard. Remarquez, je ne critique pas. Des idées comme celle-là, ça peut faire baisser l'abstention. Au moins du côté de Saint-Jacques. D'ailleurs, si vous pouviez revendre un petit bout de chichon à Madame Roland, ça lui ferait pas de mal, question idée. Parce que attention, l'abstention, c'est maintenant. Pour motiver les électeurs à Saint-Jacques, à Bellevue, au Derve, à Malakoff ou à Nantes-Nord, va falloir en trouver des idées marrantes, des idées nouvelles, Madame Roland. Alors les socialistes, ça fait longtemps que des trucs marrants, ils ont arrêté d'en chercher. J'ai la date exacte, depuis le 11 mai 81, le lendemain. À quoi bon? Désormais, ils font dans le participatif. C'est vous qui cherchez, c'est eux qui trouvez. Attention, quand je dis des trucs marrants, je ne pense pas qu'à l'éléphant en bois qui tourneront sur l'île de Nantes. Je pense à un autre genre d'éléphant, si vous voyez ce que je veux dire. Ces temps-ci, avec moins de 20% dans les sondages, ce n'est pas lui, l'éléphant, qui fait rigoler dans les quartiers. Ou alors si, mais il ne le fait pas exprès. Et avec la consommation stupéfiante de Madame Garnier, je me demande si ce coup-ci, les dealers ne vont pas voter directement pour elle. Remarquez, il ne vous restera plus qu'à installer des caméras de vidéosurveillance pour repérer les militants UMP en train d'acheter de la zeb. Ça sera déjà ça de régler. Il y a tellement d'insécurité à Nantes, paraît-il, depuis quelque temps. Et vous, Madame Chiron, l'insécurité à part les pistes cyclables, hein, ça. Vous avez beau vous la jouer écolo, à fumer des tarpés toute la journée, comme Madame Garnier, à regarder tourner les éoliennes, trop cool, les carottes sont cuites sur des panneaux solaires. Mais savez-vous que vous partagez au moins une idée avec M. Boucher, ici présent? Mais oui, lui aussi est contre Notre-Dame-des-Landes, comme vous. Ah, ça calme, hein? Boucher-Chiron, même combat. Certes, il est mieux coiffé qu'un zadiste, mais ça ne veut rien dire. Hitler aussi aimait les animaux, les longues balades dans la nature, manger végétarien, faire du vélo. Si ça se trouve en 40, lui aussi, il aurait été contre Notre-Dame-des-Landes. Et là, Madame Chiron, je vous le demande, en 40, auriez-vous, vous aussi, fait liste à part contre ces pauvres socialistes? D'autres questions ?